Salut les randonneurs, Manu d'Illico Rando pour vous servir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Comment ranger son sac à dos pour éviter de finir le dos en compote et l'air d'un escargot sous stéroïdes. Attachez vos lacets, ça va déménager. Alors, tu as décidé de partir à l'aventure avec ton sac à dos flambant neuf. Félicitations. Mais attention, jeune padawan de la randonnée. Si tu te contentes de balancer tes affaires à l'arrache, tu risques de le regretter amèrement quand ton sac à dos va se transformer en un instrument de torture digne de l'Inquisition espagnole. Mais ne t'inquiète pas, tonton Manu est là pour te guider. Première règle du Fight Club du sac à dos. Les objets lourds, tu colleras contre ton dos. Pas tout en bas au niveau de tes fesses, pas tout en haut au niveau de ta caboche, mais bien au milieu. Pourquoi ? Parce que sinon, ton centre de gravité va partir en vrille. Et tu te retrouveras à tanguer comme un ivrogne sur un bateau à la dérive. Croisant mon expérience, c'est moins fun que ça en a l'air. J'ai fait une courte vidéo pour te montrer où se placent les éléments dans un sac à dos. Les éléments lourds, les éléments qu'on utilise le moins, les éléments légers, les éléments dont on a besoin rapidement. Tout est expliqué en moins d'une minute dans ce petit short YouTube. Deuxième conseil, méfie-toi des objets pointus ou anguleux. Fais-moi plaisir, ne les mets pas directement contre ton dos, à moins que tu ne sois fan de l'acupuncture sauvage. Non, place-les plutôt vers l'extérieur de ton sac. Ton dos te remerciera et tu éviteras de ressembler à un hérisson après une séance de chatouille. Ponctuellement, quelques éléments de ton sac à dos peuvent être attachés à l'extérieur du sac. Et là encore, j'ai fait une vidéo qui t'explique tout sur le maniement des sangles de sac à dos et tu la retrouveras ici. Mais en règle générale, évite d'attacher très longtemps des choses à l'extérieur de ton sac à dos, ça va te déséquilibrer. Et le déséquilibre et le volume du sac, on en parle à la fin de cette vidéo et c'est super important. Troisième point crucial, tout ce dont tu te sers souvent, comme ta gourde, ton appareil photo, tes mouchoirs, ta veste Gore-Tex de la mort qui tue, tu le mets dans les poches extérieures ou dans des compartiments faciles d'accès. Parce que crois-moi, quand tu seras en pleine ascension, sous le cagnard ou sous la pluie, et que tu devras sortir ta gourde planquée au fond du sac ou ta Gore-Tex glissée en boule sous ton sac de couchage, tu l'auras mauvaise, très mauvaise. Bon, maintenant qu'on a vu comment ranger intelligemment, parlons du vrai problème. Tu en emportes trop. Je sais, c'est tentant de vouloir prévoir à toutes les situations. De l'invasion de sauterelles à l'attaque des zombies, en passant par la visite surprise de ta belle-mère. Mais rappelle-toi que chaque gramme compte quand tu dois transporter tout ça sur ton dos. D'ailleurs, j'en parle dans une vidéo qui sort dans 2-3 semaines. Si tu n'as pas envie de la louper, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche. Merci. Alors, tu penses avoir tout compris en répartissant bien le poids dans ton sac ? Désolé de te décevoir, mais il y a un autre point crucial à prendre en compte. Le volume. Oui, parce que tu peux avoir le sac le mieux équilibré du monde, si tu te trimbales un mastodonte sur le dos, tu as dégusté. Prenons l'exemple d'un poids porté à bout de bras. C'est exactement ce qui se passe lorsque ton sac dépasse trop de ton dos. C'est beaucoup plus facile lorsque c'est collé à toi. L'effet de levier est tel que tu dépenses une énergie folle pour avancer. Alors oui, on te conseille de mettre les objets lourds près du corps, au milieu du sac, pour réduire cet effet. Mais si ton sac fait la taille d'une maison, ça ne changera pas grand-chose. Parfois, on se focalise sur la chasse au gramme pour randonner plus léger. Mais si c'est pour avoir un sac de 6 kg mal équilibré et volumineux, autant porter 10 kg bien optimisé. Le secret, c'est le volume. Réduis le volume, ton sac sera plus petit, plus près du corps et causera moins de déséquilibre. Alors, qu'est-ce qui prend le plus de place dans le sac ? L'air et tous les espaces inoccupés. Et l'air, tu le trouveras dans ton sac de couchage, autour de ta tente, de ta cartouche de gaz, etc., etc. C'est là que tu dois agir. Je vais te donner quelques pistes, il y en a plein d'autres. À toi de réfléchir et de voir où tu peux agir. Les sacs de compression, ça peut être ton meilleur ami si ton sac de couchage ou ton duvet n'en possède pas jusqu'à maintenant. Certains puristes crieront en scandale car il est déconseillé de les compresser. Mais je te rassure, pour quelques heures dans la journée, ils vont bien s'en sortir. Fais attention à tes aliments et surtout aux emballages des aliments qui des fois sont très volumineux. Il y a aussi des aliments très volumineux mais qui vont t'apporter quasiment aucune énergie. Imaginons un paquet de chips par exemple.
Et en parlant gain de place, de poids et d'aliments, depuis quelques temps, je me penche fortement sur la déshydratation des aliments. Je vous prépare quelques recettes pour cet été. Ça changera un peu des vidéos habituelles, mais je pense que ça pourra vous aider. Un objet qui me sert pour plein de choses et qui me permet de remplir les espaces vides, c'est les Ziplocs. Vous savez, ces petits sachets congélation. Ils me servent à tout, pour faire la trousse à pharmacie, pour faire ma trousse de toilette, pour mettre quelques aliments. Et ça, pas besoin de tout stocker au même endroit, ça permet de caler les trous et de gagner de la place. Bref, joue au Tetris avec ton sac. Chaque espace est bon à prendre. Lors de l'achat de ma popote, j'ai fait en sorte de prendre un contenant pouvant accepter ma cartouche, ainsi que le réchaud. Je peux encore glisser un morceau d'éponge, un briquet, et ça tient là-dedans. Alors, essaye de faire la même chose, mais vérifie que ça rentre bien et ne force pas trop. On voudrait pas trop que ça te pète à la figure en pleine forêt. En réduisant le volume, non seulement tu pourras prendre un sac plus petit et plus léger, mais en plus de ça, tu seras beaucoup plus à l'aise dans les terrains techniques, car tu seras beaucoup moins déséquilibré. Ton sac fera corps avec toi, comme si vous ne faisiez qu'un. Alors, retiens bien ça. Pour moins galérer en rando, pense d'abord volume avant de penser poids. Ton dos te remerciera et tu pourras profiter pleinement de ton aventure sans avoir l'impression de transporter un éléphant sur ton dos. Voilà, ami randonneur, tu sais tout sur l'art subtil du rangement de sac à dos. Grâce à ces conseils, tu vas pouvoir partir léger, même si ton sac à dos ne l'est pas. Et crois-moi, quand tu seras en train de contempler un magnifique coucher de soleil au sommet d'une montagne, tu penseras à moi. Allez, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Sans oublier de t'abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça me donne l'impression d'avoir une vie sociale. Sur ce, je te laisse. J'ai un sac à dos à préparer pour une prochaine aventure. Vous verrez ça bientôt. À mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi sur les chemins. Ciao !